Ils ont brûlé toutes ces maisons là, tout ça. Ils ont tout brûlé. Vous voyez? Vous voyez? Avec ça, on dit que c'est les militants du RADP qui sont violents. Vous voyez? Vous voyez toutes ces maisons brûlées. Les Adjoukourou, venant de Dibroumou, un peu de partout, qui sont venus incendier un quartier de la ville de Dabou. Voilà, vous voyez? Ils ont incendié même des véhicules, beaucoup de voitures. Vous voyez. Alors que ce matin, les forces de l'ordre, nous avons des calibres 12 aussi, au moins 3 comme ça. Ils sont venus nous désarmer. Parce que nous, c'est pour notre légitime de défense. Voilà. Ils nous ont désarmés le matin. Et puis, ils nous ont même gazé que de rentrer chez nous. On rentre chez nous, c'est là que les Adjoukourou sont arrivés pour nous agresser, pour brûler les véhicules dans un quartier qui est proche de Dibroumou. C'est à l'entrée du village, un quartier qui fait face, qui est tout proche du village, vous voyez. Voilà, un quartier qui n'est pas beaucoup habité. Donc, ils sont arrivés, ils sont venus incendier. Voilà, là les frères qui sont en train d'éteindre. Après on nous dit que c'est les militants du RHDP qui sont agressifs, qui sont violents. Vous voyez. Donc tout ce que c'est dit, sans parti pris, mais c'est de la méchantise. Ce sont eux au fait qui sont à l'origine de toutes ces violences. Vous voyez. Donc ils ont tué l'un de nos vieux là, on a même vu le corps tout à l'heure. Vous voyez. Vous voyez. Voilà. Donc vraiment, monsieur le Premier ministre, lorsque on était à l'opposition, on se défendait toujours face à ces agresseurs-là. Aujourd'hui, on a donné notre poitrine pour que vous soyez là, sincèrement dit. Aujourd'hui encore, nous sommes aux affaires. Et on voit ces mêmes bêtises se reproduisent. Alors qu'il n'y a personne pour nous défendre. Il n'y a personne. Il n'y a pas de force de l'ordre pour nous défendre. Les Adjoukourou, depuis le matin, ils sont là. Il n'y a personne pour nous défendre, je vous dis. Nous sommes livrés à nous-mêmes, mais nous nous défendons de nos propres moyens. Nous sommes un peuple guerrier. Nous sommes un peuple guerrier. Voilà, nous allons nous défendre aussi par tous les moyens. Tous les moyens que nous aurons à notre disposition. Voilà, nous allons nous défendre. Puisqu'ils ont incendié plusieurs maisons dans le quartier et même tué un vieux malinqué. Monsieur le ministre, vous voyez ça, c'est l'un de nos vieux, un vieux malinqué qui a été tué ce matin par ses agresseurs. Il disait que nous sommes au pouvoir, on se défend toujours. En étant à l'opposition, on s'est toujours défendu. Monsieur le Premier ministre, c'est pas juste. Les forces de l'ordre viennent. Nous ne sommes pas armés, mais quand on se débrouille, on a moins un calibre 12, deux nous arrachent. Et les autres viennent avec vous. Nous sommes seulement avec les machettes. C'est avec notre courage que nous défendons.
Ça veut seulement notre courage que nous défendons. On prend notre courage et on se défend. Voilà le papa. Il vient de tuer le vieux tout à l'heure. Voilà. Monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, c'est pas normal. Les forces de l'ordre qui sont ici, ils ne font rien pour nous. Monsieur le ministre, regarde ça encore. Je reviens à la charge. Puisque nous allons partager ça. Vous voyez, comme je le dis, c'est d'autres secteurs encore du même quartier qui ont été incendiés. Incendiés et brûlés avec tuer certaines personnes de la communauté malinké. Ce n'est pas juste. Nous ne sommes pas allés les nous ne sommes pas partis au village pour aller les agresser, mais ils sont venus ici. Malgré les forces de l'ordre que vous avez envoyées, mais ils ne sont pas juifs. Ils ont parti pris. Quel que soit ce qu'ils vont vous dire, nous on vous dit qu'ils ont parti pris. C'est nous qui sommes aux affaires. S'ils sont neutres, nous allons vous dire qu'ils sont neutres. Mais ils ne sont pas neutres dans cette affaire. Ils ont laissé faire, je vous dis, monsieur le ministre. Menez une enquête. Vous allez savoir qu'ils ont laissé faire. Voilà. Pendant que nous étions là, en train de les affronter, pendant des heures, il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a personne. Et ils ont même pris les armes que nous avions, comme les calibres 12. Nous avons retiré les armes qu'on avait depuis le matin. Donc on n'était pas armés. On les faisait face, mais face aux personnes qui sont armées. Vous voyez un peu? Voilà. C'est parce que nous avons résisté que même les dégâts se sont limités un peu. Mais ils ont brûlé assez de maisons. Voilà. Une vingtaine de maisons. Soit une trentaine, plusieurs. Voilà, beaucoup. Donc, comme je vous dis, nous sommes au pouvoir et puis bon, voilà, vous voyez. Voilà, il n'y a pas de sécurité. Donc, nous allons nous préparer pour nous défendre. On ne va pas laisser faire. Nous n'allons pas laisser les gens venir nous assassiner. Voilà. Un garçon avant de mourir, il faut essayer quelque chose. Essaie de te défendre. C'est ce que nous allons faire. Parce qu'on ne peut pas mourir les bras croisés. Nous ne sommes pas des lâches. Nous-mêmes, nous allons nous défendre. Nous allons préparer notre défense. Voilà. Ça, on met qu'une seule fois. Ce n'est plus une affaire de politique. Tout ce quartier a été brûlé. Ce n'est plus une affaire de politique. Voilà. Et pour la politique, on ne peut pas tuer tout ce beau monde. Voilà.